Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie na naszym webinarium z języka francuskiego. Na początek chciałabym tylko spytać, czy dobrze nas słychać? Widzę, że już część z Państwa się tutaj zalogowała. Ça va? Tak. Dobrze, świetnie. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi współautor serii Hashtag La Classe, pan Cédric Vial. Dodatkowo jest z nami również obecna przedstawicielka wydawnictwa Clientech National, pani Annick Attychet, która podczas dzisiejszego spotkania będzie odpowiadać na wszystkie państwa pytania na otwartym czacie. Także serdecznie zachęcamy do zadawania pytań, do kontaktu z nami. Ja z mojej strony jeszcze na początek powiem, bo to pytanie dosyć często się pojawia, o certyfikaty. W przeciągu 2 tygodni po wydarzeniu będziemy drogą mailową rozsyłać wszystkim zaświadczenia udziału w dzisiejszym webinarium. Z mojej strony to wszystko, oddaję już głos dzisiejszym prowadzącym. Merci Véronica pour cette introduction. Merci à Novella, notre partenaire donc en Pologne. Et puis merci surtout à Cédric Vial, donc auteur de la méthode Hashtag La Classe, qui est avec nous aujourd'hui pour ce e-café pédagogique Clé Formation. Vous savez que Clé International organise régulièrement des formations. Actuellement, donc, ce sont des formations à distance, les e-cafés pédagogiques. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc un thème qui probablement va vous intéresser, c'est travailler la production orale avec Hashtag La Classe. Alors, avant de laisser la parole à Cédric, que je remercie encore, un petit mot pour vous le présenter. Cédric Vial est professeur, enseignant, c'est donc un collègue qui a l'habitude de travailler donc avec des apprenants, que ce soit dans la spécialisation français langue maternelle, ce qu'on appelle le FLAM ou le FOS, mais aussi bien sûr pour la préparation aux certifications DELF et DALF. Il est lui-même donc correcteur examinateur et puis bien sûr co-auteur de la méthode que vous connaissez peut-être, la méthode Hashtag La Classe. Ça peut être aussi l'occasion de découvrir cette méthode. Vous savez, comme vous a dit Véronica tout à l'heure, c'est une méthode donc agréée par le ministère polonais que vous pouvez justement utiliser pour les classes du lycée. Donc Cédric, je te laisse la parole et notamment, est-ce que tu pourrais pour commencer nous dire pourquoi c'est important de travailler la production orale en classe? Merci Annick. Alors bonjour Annick, bonjour à tous. Merci d'assister à ce e-café pédagogique. Et effectivement, aujourd'hui, on va se centrer sur la production orale avec Hashtag La Classe. Alors pourquoi, comme a dit Annick, pourquoi c'est important de travailler la production orale en classe? Eh bien, pour la bonne et simple raison, c'est que en général, quand on travaille la production orale, on a souvent des excuses. C'est-à-dire, pourquoi c'est important de la travailler et pourquoi il existe ces excuses? Eh bien, pendant de nombreuses années, elle a été marginalisée. Elle est apparue tardivement dans les méthodes de langue. Elle est reconnue comme importante par les enseignants, mais elle est souvent peu travaillée en classe à cause de la taille du groupe, le manque de temps, le respect des programmes auxquels nous sommes tous contraints de respecter. Le manque d'intérêt des apprenants, beaucoup d'apprenants disent souvent, bah, c'est toujours la même chose, les productions orales, c'est toujours un jeu de rôle et rien de plus. Et enfin, l'autre problème que cela pose, c'est la difficulté à évaluer la production orale pour les enseignants. On a souvent le cas de figure que les enseignants nous disent, voilà, comment on évalue la production orale, quels critères nous devons prendre en considération, s'il y a des erreurs, comment on les évalue, comment on corrige la production orale, etc. D'accord? Donc, tout ça sont des excuses. Pourquoi? Parce que c'est très, très important de travailler la production orale en classe. Alors, c'est important de travailler l'écrit, oui, mais c'est aussi, et je dirais même peut-être plus important de travailler l'oral pour diverses raisons. La première, c'est que, vous l'aurez compris, on passe plus de temps à parler quand on apprend une langue, on doit s'exprimer, on passe plus de temps à parler qu'à l'écrire. Là, aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas en train d'écrire ce que je suis en train de dire, je suis en train de m'exprimer à l'oral. D'accord? Aujourd'hui, les nouvelles technologies comme WhatsApp, par exemple, eh bien, nous avons la fonction de laisser une note audio
au lieu de un message écrit, d'accord? Et bien évidemment, quand on est en voyage, nous n'avons pas notre petit carton avec la question écrite ou l'affirmation. Nous n'avons pas une ardoise ni un carton. Nous communiquons avec la personne. Autre point important, ça permet de travailler en binôme ou en groupe. C'est-à-dire, ça permet l'entraide, la collaboration, la médiation, toutes des notions en fait qui sont importantes dans l'apprentissage des langues. Ça permet aussi de dynamiser la classe. Dans certaines matières, alors bien évidemment, je ne vais pas critiquer les autres matières pour donner le protagonisme au français, mais il y a certaines matières où les élèves sont un peu plus passifs ou sont un peu plus récepteurs et moins acteurs. Et bien justement, là, c'est le moment, en cours de langue en général et notamment dans le cours de français, et bien de rendre l'élève, l'apprenant, plus actif et moins passif dans son apprentissage. Et surtout, ça permet de développer des stratégies de communication qui peuvent être réutilisées dans la langue maternelle des apprenants. C'est pas parce qu'on apprend le français ou que nous avons des cours de français, on va dire, que nous sommes en train d'apprendre une langue, que tout ce que l'on va apprendre va servir uniquement au français. Non, d'accord? Si nous voyons, par exemple, je ne sais pas, en A1, un exemple tout bête, mais comment poser une question de manière cordiale, et bien voilà, cette notion peut être réutilisée dans la langue maternelle. Pour toutes ces raisons, j'insiste, je pense, à mon avis personnel, je suis un grand défenseur de la production orale et je pense que c'est très très important de ne pas la marginaliser dans nos cours de français. Et d'après les échanges qu'on a eus dans le chat, justement, les professeurs présents, en tout cas ceux qui ont répondu, privilégient beaucoup l'oral pendant leur cours. Donc, effectivement, on peut passer à la question suivante. Est-ce que c'est facile de faire parler les élèves? C'est une chose de vouloir les faire parler, c'est une autre chose d'arriver à les faire parler. Effectivement, alors voilà, la production orale, c'est toujours le même problème, surtout quand nous avons des élèves, j'ai envie de dire, qui sont débutants et qui viennent de découvrir la langue pour la première fois, ces élèves, eh bien, il faut trouver un moyen de les faire parler. Comment on les fait parler? Alors, il y a quelques règles, on parlera après des activités, on retrouvera plus dans le vif du sujet pour vous donner des outils, j'ai envie de dire, pour les faire parler plus concrètement après, mais avant de commencer à ça, on va voir quelques règles à prendre en considération. La première chose, il faut mettre en place des routines. Des routines, bien évidemment, basées sur l'oral. Par exemple, la routine, le rituel de la date, le temps, la météo, demander comment vont nos élèves, etc. Oraliser les textes de compréhension écrite. Alors ça, c'est dans la mesure du possible, parce que plus on va aller vers des niveaux élevés, plus les textes seront longs et on n'aura peut-être pas le temps de le faire à chaque séance. Mais c'est important, quand vous avez des textes, par exemple, vous avez souvent des petits textes de publicité, etc., apprendre aux élèves à lire le texte à haute voix pour travailler la prononciation et puis tout simplement pour qu'ils aient l'habitude de parler finalement, que ça devienne une routine. Faire travailler les apprenants par deux ou en petits groupes, ça va favoriser non seulement les échanges. Alors, au début, c'est un peu compliqué pour que les élèves parlent en langue étrangère. On a tous tendance à parler dans notre langue maternelle. Par contre, ce qui est important, eh bien voilà, c'est s'ils vont travailler par deux, ils vont pouvoir communiquer et donc ça va favoriser instinctivement les échanges. Ce n'est pas grave si les élèves échangent en langue maternelle au début, puisque petit à petit, ils vont s'habituer à le faire en langue étrangère. Donc ça, c'est important de développer cette modalité de travail pour justement développer l'oral. Demander aux élèves de réexpliquer avec leurs propres mots une consigne, une idée ou un point de grammaire, ça aussi, ça permet de faire passer, de pratiquer l'oral, pardon. Et enfin, organiser autant que possible des jeux de rôle, des activités et des jeux qui cassent la routine des cours classiques. J'insiste, le recours à la langue maternelle n'est pas une entrave dans l'apprentissage de la langue étrangère, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a une notion qui s'appelle la médiation, et la médiation passe aussi par la traduction de certains énoncés, le pouvoir résoudre des problèmes en langue matérielle. Donc ce n'est pas dramatique si les apprenants parlent uniquement dans leur langue maternelle, surtout dans les niveaux bas. D'accord, dans les niveaux A1, c'est difficile le premier jour qu'ils parlent exclusivement en français, bien évidemment.
Je fais un petit point, effectivement, comme tu disais, pour les élèves polonais, c'est difficile de prendre la parole, de s'exprimer. Donc, passons au concret. Quelles activités peut-on proposer pour les aider? Alors voilà, justement, il y a plusieurs activités et c'est ça le but, on va dire, de ce e-café, c'est de vous donner aussi des activités que vous pouvez réutiliser en cours et justement favoriser les échanges, le fait que les élèves prennent la parole. Alors, il y a une activité, pardon, qui est un classique, c'est le jeu de rôle ou le roleplay qui fonctionne à 100%. Ça, c'est l'activité classique de la production orale. C'est très simple, un dialogue entre deux personnes ou parfois plus, tout va dépendre la taille du groupe et le nombre d'apprenants que vous avez dans vos groupes, qui va être encadré ou moins encadré, dont le but est de faire des propositions, de trouver des solutions à un problème, de se mettre d'accord, etc. Par exemple, en A1 et en A2, ça peut être programmer une sortie, ça peut être demander des renseignements, des informations sur telle ou telle chose, formaliser une inscription, par exemple. D'accord? Donc, comment on le met en place dans la classe? Eh bien, c'est très simple. En binôme, les apprenants disposent de plus ou moins de temps de préparation. D'accord? Ça va dépendre du niveau. Plus on ira vers des niveaux élevés, moins ils auront de préparation. Et chaque binôme, pardon, présente son dialogue et on fait une correction un peu commune en groupe classe. D'accord? Donc, l'objectif est que tout le monde puisse parler. Alors, je sais que vu la taille des groupes, des fois on a du mal à mettre en place des roleplay, des jeux de rôle à toutes les séances. D'accord? Faites un roulement entre ces roleplay ou demandez à vos apprenants de s'enregistrer. Ça, on en parlera justement juste après dans la partie cours en ligne. Voilà, je vous ai mis quelques exemples de jeux de rôle tirés de la méthode version polonaise de Hashtag la classe, qui est en partenariat avec Noëlla. Ce sont des situations réelles de la vie quotidienne qui sont basées sur des thèmes motivants et sur les centres d'intérêt des apprenants. Si vous voulez créer un jeu de rôle, il y a trois choses à prendre en considération. D'une, que la situation soit réelle. Pourquoi? Eh bien, plus la situation sera réelle, plus vous allez donner du sens à l'apprentissage. D'accord? Et plus l'élève va comprendre que c'est important de parler dans telle ou telle situation. Deuxième chose qui est importante, c'est des thèmes qui soient motivants dans ces jeux de rôle. D'accord? N'allez pas donner un thème qui soit pas du tout dans la réalité des apprenants, etc. Et de trois, varier les contextes de réalisation pour utiliser le tutoiement, pour utiliser le vouvoiement, pour utiliser certaines structures, par exemple en A1, le salut, le bonjour, au revoir, merci, les règles de politesse, etc. D'accord? Donc là, je vous ai mis deux exemples. Vous voyez sur une même page, finalement, vous avez deux productions orales, deux jeux de rôle. D'accord? Donc, dans le premier, c'est organiser, je crois que c'est demander un sandwich dans un camion-restaurant. D'accord? Et le deuxième, si je me souviens bien, c'était parler d'un menu ou quelque chose dans le genre. D'accord? Je me rappelle plus exactement de. Voyons la version polonaise, ça m'a perturbé. Je pense que vous êtes capable de comprendre. Alors, dans l'ensemble, effectivement, beaucoup d'enseignants ne connaissent pas la méthode. Donc, vous pouvez prendre le temps de lire effectivement les exemples qui sont donnés ici en polonais. Et pour répondre aux questions, si vous voulez rentrer un peu plus dans la méthode, l'étudier, je vous mets dans le chat le lien où vous pouvez avoir accès actuellement justement à la version numérique du livre et de la méthode gratuitement. Donc, et vous pouvez rentrer dedans, voir justement les types d'exemples qui sont mis. Je te redonne la parole, Cédric. Merci Annick. Et enfin un autre jeu de rôle. Et ben voilà, là nous sommes dans la médiation à proprement parler, mais ce n'est pas grave, c'est un jeu de rôle quand même. On parle d'un thème qui est actuel, qui s'appelle les mangas café. Donc vous voyez, c'est une réalité actuelle des jeunes d'aujourd'hui, les mangas, le fait d'avoir accès à cette culture de mangas japonaises, etc. On parle des mangas café qui sont à Paris. D'accord? Et concrètement, à partir d'une vidéo, on présente le fonctionnement d'un manga café. Et là, on demande dans ce jeu de rôle, eh bien, la personne raconte à son grand-père, finalement, ce qu'est un manga café. Donc, on imagine que le grand-père, comme dans la vie réelle, finalement, si vous allez dans un lieu que je ne suis pas censé connaître, je vais vous poser la question
de savoir comment ça fonctionne, quelles sont les particularités, etc. À vous de m'expliquer, bien évidemment en français, le fonctionnement de telle ou telle activité. Alors ça, c'est valable pour, là, les deux exemples que je vous ai pris sont de hashtag la classe A1 et de hashtag la classe A2, d'accord, qui permettent le jeu de rôle, de mettre en place des jeux de rôle dans la classe, d'accord. On peut aussi, ah, ça ne change plus, ça y est, je vais y arriver. On peut aussi organiser des débats, d'accord. Alors, des débats, bien évidemment, je sens que la réponse va être oui, mais comment on fait avec des niveaux qui ont un petit niveau, d'accord. Eh bien, voilà, le débat, c'est une activité qui permet de prendre la parole et il ne faut pas sous-estimer réellement le potentiel de nos élèves, même en A1, même en A2, d'accord. Moi, j'ai des groupes de A1 et de A2. En phase de 1, je les motive à faire des débats limités avec des phrases très simples, mais ils donnent une opinion. D'accord? Je pense que, même si ça correspond à 2 à 2, mais j'aime ou j'aime pas, je pense, je préfère, etc. D'accord? Donc en général, le débat, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Alors, à vous de voir, selon la taille du groupe, si vous faites deux groupes distincts, c'est-à-dire vous divisez la classe en deux groupes, ou vous divisez en groupes un peu plus réduits. Ça peut être 3 ou 4 apprenants qui sont pour ou contre, d'accord? Donc des sous-groupes dans les grands groupes, on va dire. Vous laissez une dizaine de minutes à la préparation et on procède à la mise en commun. C'est à vous de jouer le rôle de modérateur. Vous pouvez demander aussi à un apprenant, selon le niveau auquel vous utilisez, eh bien, vous pouvez demander à un apprenant de jouer ce rôle de modérateur. Pourquoi je vous disais que le rôle du débat, enfin, pourquoi le débat peut être utilisé dans les niveaux A? Eh bien, par exemple, nous avons un débat dans hashtag la classe A2, nous avons un débat sur les piercings et sur les tatouages, d'accord? Nous sommes en train de parler dans cette unité qui correspond à l'unité 6, nous sommes en fin de A2, mais peu importe, j'ai envie de dire, puisque nos apprenants peuvent, au niveau A2, faire un débat et on demande, voilà, est-ce qu'il faut utiliser, est-ce qu'on doit garder nos piercings ou nos tatouages pour un entretien d'embauche, par exemple. Ok, c'est un thème actuel. Aujourd'hui, les piercings et les tatouages sont très démocratisés, sont à la mode chez les jeunes. Voilà, donc c'est un thème qui est actuel et qui peut aussi faire, comment dirais-je, qui peut générer un débat hors de la classe. D'accord? Moi, c'est ce que je recherche personnellement et c'est ce qu'on a voulu rechercher avec les autres co-auteurs de hashtag la classe, c'est que non seulement ils apprennent le français, non seulement ils pensent à certaines, on va dire, choses, notions, etc. qui peuvent leur servir en français, mais aussi que ça leur serve d'apprentissage hors de la classe. Et là, vous voyez, ce débat, eh ben, il peut continuer à l'extérieur de la classe. Il va y avoir ceux qui vont être pour, ceux qui pourront être contre. Ils auront des choses à dire et c'est ça l'objectif que l'on recherche dans la production orale, d'accord? Et dans le débat, bien évidemment, pour que nos élèves puissent parler et puissent s'exprimer de manière, on va dire, assez fréquemment. La dernière activité dont j'aimerais vous parler et qui est plus facile à faire, surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire que nous sommes confinés, eh bien, c'est les activités de recherche. Les activités de recherche, vous allez voir dans hashtag la classe, nous avons créé des activités où on va demander aux élèves de faire des recherches pour ensuite les restituer sur la forme d'un exposé. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple puisque nous sommes tous à la maison, nous avons tous accès à Internet et les élèves, bien évidemment, dans la majorité des cas, je généralise, mais ont aussi accès à Internet. Comment ça marche? Eh bien, vous répartissez en groupe, vous donnez, si vous êtes en classe, en groupe, si vous êtes à distance de manière individuelle, un thème donné. Et les apprenants cherchent les informations, d'accord? Ensuite, il y a une mise en commun qui est effectuée, les apprenants vont discuter des informations qui sont intéressantes, les informations qui ne sont pas du tout intéressantes, et celles qui vont pouvoir être exploitées, oui ou non. Par exemple, je ne sais pas, je vais vous donner d'autres exemples bien concrets après, mais voilà, comment on va, quel plan on va utiliser pour restituer ces arguments, ces idées. Eh bien, par exemple, là, vous voyez, dès le premier cours, c'est-à-dire dans l'unité 1 de hashtag la classe, on a réalisé une sorte d'enquête, une enquête sur les pays francophones. On demande quels sont, vous avez une activité sur la francophonie, justement, avec la Suisse, le Canada, l'Égypte et les Seychelles, un petit objectif, et on va demander aux apprenants, eh bien, comment ils font
est-ce qu'ils connaissent d'autres pays francophones? Donc on les laisse chercher et on peut leur demander, par exemple, on peut leur ajouter des contraintes comme dire quelle langue on parle, par exemple, dans ce pays, quelle est la langue majoritaire, est-ce qu'il y a d'autres langues co-officielles, peut-être, combien d'habitants, quelle est la capitale, où est-ce qu'il est situé, en Amérique, en Afrique, etc., etc., d'accord? Donc ça, j'insiste, ces activités sont très faciles à réaliser et vous pouvez le faire dès, finalement, le premier jour. Vous voyez, là, je vous ai mis deux autres exemples, c'est pour ça que je vous disais, on a fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'exemples de ce type, parce que c'est très intéressant pour les élèves à utiliser. On en a un au A2 où c'est sur les médias participatifs. D'accord ? On demande aux élèves de chercher d'autres journaux, puisque nous sommes en train de parler des journaux justement réalisés pour des jeunes, mais par des jeunes adolescents. Eh bien, on peut demander aux apprenants de chercher d'autres journaux réalisés par les jeunes. Ou encore, au niveau A1, un peu plus loin dans l'apprentissage, eh bien, sur l'alimentation, choisissez une époque, par exemple l'époque romaine, néandertale ou celle que vous voulez, et parler des aliments qui se mangeaient à l'époque. D'accord ? Toujours l'objectif, même s'il y a une partie de recherche d'information et de, j'ai envie de dire, de compiler l'information, l'activité est en général faite à l'oral. Même si après vous, vous pouvez demander une trace écrite, histoire d'avoir quelque chose à évaluer, par exemple, ou l'inverse, faire la tâche écrite et ensuite l'exposer à l'oral. Et comment faire pour motiver les apprenants pour qu'ils puissent parler? Alors voilà, ça c'est l'autre point clé, on va dire, il faut, pour qu'un apprenant parle, il faut le motiver, d'accord? Il y a une chose qui est essentielle et qui marche à 100%, ce sont bien évidemment les jeux. Plus l'apprenant va s'amuser, plus il va être détendu et plus il va parler. C'est la même chose pour nous finalement, pensez. Vous êtes stressé, etc., vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous allez être très succinct dans vos réponses. Si vous êtes motivé, si vous avez envie, si vous avez un espèce de challenge avec vos collègues, etc., vos amis, eh bien, vous allez parler, vous allez vous exprimer. Eh bien, ça, c'est une des choses, un des outils, on va dire, qu'il faut mettre en place dans le niveau A1, dans le niveau A2 et bien évidemment dans les niveaux plus élevés si vous utilisez d'autres niveaux de hashtag la classe. Mais voilà, donc, il y a beaucoup de jeux qui sont destinés à la classe de langue. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des jeux didactiques. Vous pouvez vous-même transformer certaines activités de forme plus ludique. Alors moi, ce que je conseille toujours, c'est le jeu en fin de séance. Pour la simple et bonne raison, c'est un peu la récompense après quelque chose qui a été compliqué, enfin, où vous avez expliqué un point de grammaire. Je ne sais pas, par exemple, l'histoire du passé composé. Vous ne l'avez peut-être pas en polonais. Nous, ici en Espagne, c'est toujours compliqué de comprendre comment ça fonctionne entre être et avoir, etc., parce qu'il y a toujours, enfin, c'est toujours le grand débat, et bien c'est la même chose, d'accord? Après avoir parlé, après avoir travaillé pendant peut-être 30 minutes sur un point qui est un peu contraignant, et bien organiser un jeu, ça va détendre l'atmosphère, et puis ça va être un peu la récompense aussi, quelque part, pour les élèves d'avoir suivi le cours. Alors, il y a plusieurs jeux que l'on peut utiliser de manière des jeux traditionnels, que l'on peut dériver, que l'on peut réutiliser dans la classe de langue. Le premier, surtout avec les niveaux A1, le jeu du pendu, ça permet de travailler le lexique, mais aussi la prononciation et les lettres de l'alphabet. D'accord ? Donc ça, c'est très simple, ça prend 5 minutes, vous n'avez besoin d'aucun matériel. Vous pouvez mettre des contraintes, par exemple réutiliser, moi je le fais régulièrement avec mes élèves, réutiliser le lexique qui a été on va dire, vu pendant la séance. D'accord ? Donc, ils prennent n'importe quel mot et ils mettent le lexique. Il y en a un qui fait deviner et les autres donnent A, B, C, etc. Le loto, pour travailler les chiffres et les nombres. On peut décliner aussi le loto pour travailler le lexique ou la phonétique. Il existe sur Internet des liens, des pages Internet sur lesquelles vous pouvez remplacer les chiffres par des mots ou des contraintes phonétique, on va dire, d'accord? Donc ça peut être le U et le OU, ça peut être le JE et le CHE, ça peut être le E et le E, etc., etc. À vous de créer, bien évidemment, vos cartons. C'est très facile, vous remplissez en fait sur Internet la liste, vous mettez les mots que vous voulez utiliser et ça génère automatiquement des cartons de bingo. Donc là, vous n'avez même plus besoin de vous poser la question comment ou prendre du temps à copier-coller comme moi je faisais avant de découvrir cet outil, à couper, à copier mon mot, coller, à changer, etc. Donc plus besoin, c'est automatique. Le cadavre exquis, dont je vais parler juste après, donc je ne vais pas m'attarder, et l'improvisation théâtrale. Et justement,
Je vais vous parler de ces deux activités que moi j'adore personnellement et qui sont qui font parler les élèves d'une manière, on va dire, assez impressionnante. Le cadaver exquis, normalement, c'est quelque chose qui est réservé à l'écrit. D'accord? C'est une technique surréaliste qui permettait de créer, on va dire, des poèmes, des textes qui n'avaient ni queue ni tête, c'est-à-dire qui n'avaient aucun sens logique. D'accord? Le principe est simple, j'écris une première phrase à l'écrit, j'écris une phrase, je la cache, je la passe à mon voisin, qui va lire la phrase que j'ai écrite, va écrire une autre phrase et la passe à son voisin. Qu'est-ce qui se passe au bout du troisième? Eh bien, le troisième ne sait pas ce que j'ai écrit. D'accord? Et c'est là l'aspect, on va dire, amusant de ce jeu. Eh bien, ce jeu, on peut le dériver, on va dire, on peut le réutiliser à l'oral. Comment? Eh bien, par exemple, là, je vous donne une exploitation que l'on peut utiliser en A2, en début de A2. On imagine dans hashtag la classe, il y a une unité 2 qui parle du voyage. On traite le passé composé. J'ai pris les mots de vocabulaire que les apprenants ont vus dans cette unité. J'ai mis des verbes. Ma consigne est simple. Je vais commencer à expliquer aux apprenants, vous devez inventer la suite de mon histoire. Vous arrêtez votre phrase quand vous le voulez et vous désignez un autre apprenant pour qu'il continue. Par exemple, je vais commencer ma phrase. Eh bien, j'ai fait un voyage incroyable. Je vais vous raconter pourquoi. J'ai mes papiers bleus, mes papiers roses. Je demande à l'élève de piocher un verbe et un substantif et de continuer la phrase, l'histoire, en utilisant le verbe et le substantif. La contrainte que j'ai rajoutée, c'est utiliser bien évidemment le passé composé, puisque c'est quelque chose qu'on a vu. Donc par exemple, j'ai fait un incroyable voyage, je vais vous raconter pourquoi. L'élève 20, eh ben, j'ai pris une veste en cuir parce que, bah tiens, Pablo, continue. Mon père a mangé dans l'avion et ta 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 ta. D'accord? Donc ça va très vite, on ne cherche pas forcément le sens, d'accord? Mais ça permet de travailler l'oral d'une manière un peu plus ludique. Et bien évidemment, les improvisations théâtrales, c'est plus ou moins la même chose qu'un jeu de rôle, mais cette fois-ci vraiment théâtralisé. On imagine la situation, Marie doit aller à la fête de fin d'année de son lycée, elle ne sait pas comment s'habiller. Nous sommes en A1, d'accord? Donc Marie, elle ne sait pas comment s'habiller, eh bien elle va imaginer, on va imaginer la vie de Marie dans son processus pour changer de look ou pour savoir comment s'habiller. Le rôle 1, sa mère dans la cuisine, eh bien voilà. Marie rencontre sa mère, donc la mère va lui donner des conseils ou va lui poser des questions, d'accord? Ensuite, Marie change et rencontre sa meilleure amie, ou plus exactement, va avoir sa meilleure amie au téléphone. Ensuite, c'est Marie qui parle toute seule dans sa tête et qui ne sait pas quel conseil choisir, etc. Comme un jeu théâtral, vraiment, comme une pièce de théâtre, mais théâtralisée avec plusieurs personnages, d'accord? L'objectif, c'est vraiment de créer une vraie scène de la vie quotidienne et utiliser dans ce cas-là les structures du conseil que nous avons vues antérieurement. D'accord? Donc ces activités sont adaptées. J'ai pris les thèmes de hashtag la classe et j'ai transformé des activités en activités un peu plus ludiques. Et on comprend bien justement que dès le début, on peut procéder à ces activités-là. Et maintenant qu'on est obligé de faire des cours en ligne, est-ce qu'il est possible de travailler la compréhension orale dans un cours en ligne et comment? Effectivement, alors il est possible de travailler la compréhension orale et même l'expression orale, j'ai envie de dire, dans un cours en ligne, puisque il y a, on va dire, il faut utiliser les outils qui nous paraissent aujourd'hui des contraintes, et il faut les utiliser pour justement tirer profit de leurs avantages. Comment? Eh bien, simplement en utilisant Internet d'une manière un peu plus ludique et utiliser Internet pour parler. Avant de commencer, il y a quelques on va dire, petites règles à prendre en compte. La première, c'est l'ambiance. D'accord? Dans notre classe, on essaye toujours d'avoir une ambiance qui favorise la prise de parole. Et bien là, via Internet, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Il faut que l'ambiance, elle soit détendue, il faut que l'ambiance, elle soit, on va dire, propice à que les apprenants puissent parler. Instaurer les routines. C'est pas parce que nous sommes dans un cours en ligne ou que nous sommes confinés qu'il n'y a pas de routine. Non, on va garder les mêmes routines. Commencer par la date, demander comment ça va, etc. En plus, ces routines permettent, on va dire, justement, nos élèves arrivent au compte-gouttes souvent. Ils ont peut-être des problèmes pour se connecter, ils sont peut-être pas très ponctuels, etc., etc. Et bien voilà, ces routines permettent de ne pas pénaliser les élèves qui ont des problèmes de connexion, qui arrivent en retard, etc. Favoriser les activités ludiques. La visioconférence peut être à la fois
j'ai envie de dire, très bonne pour pratiquer l'oral, etc. Et ça peut être un peu amusant au début pour nos apprenants, mais ça peut aussi devenir un peu contraignant à la longue, puisque on risque de tomber dans la routine, enfin quelque chose de monotone où on ne sort pas de la même dynamique, etc. Ben voilà, profitez de ces outils pour favoriser les activités ludiques, organisées, des jeux, organiser des caout, etc., etc. Et surtout, distribuer la parole pour éviter non seulement la cacophonie, parce que si tout le monde commence à parler en même temps, eh bien, ça va être compliqué, d'accord ? Mais aussi pour que ça ne soit pas toujours les mêmes apprenants. Donc ça, c'est la règle de base à prendre en compte pour justement pouvoir travailler l'expression orale et indirectement la compréhension orale, puisque le message doit passer. Justement, quel type d'activité peut-on proposer avec des A1 ? Alors voilà, les A1, ce sont toujours, c'est toujours compliqué les A1. C'est la grosse question, hein. Ils commencent, ils ne savent pas grand-chose. Comment est-ce qu'on peut justement tout de suite c'est les mettre dans le bain, j'allais dire. Mais voilà, c'est ça, c'est déjà compliqué en classe, j'ai envie de dire, quand on a des A1, c'est déjà, souvent on se dit, mince, qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils parlent, etc., où c'est très limité. En cours en ligne, eh bien, c'est un autre procédé et d'autres gènes, on va dire, qui sont mises en plus par rapport à la difficulté des nouvelles technologies. Eh bien voilà, on peut proposer trois choses. Première chose, les jeux de rôle que l'on peut aussi bien faire en ligne que de manière présentielle. Dans le cas des A1, il faut que ça soit très détaillé, d'accord ? Dans hashtag la classe, vous avez des jeux de rôle, comme vous avez vu tout à l'heure. Dans le guide pédagogique, vous avez des solutions pour justement les élèves qui auraient des difficultés, les élèves qui ont peut-être un niveau un peu inférieur, ou si vous avez des groupes simplement hétérogènes, d'accord ? Donc, on a essayé de vous mettre des outils pédagogiques pour justement pallier les problèmes que vous pouvez rencontrer. Et bien voilà, pour le guide pédagogique, vous avez pour chaque production orale ou pour la majorité des productions orales, des canevas. Donc, par exemple, on vous dit, il y a un nouvel élève dans la classe, posez des questions sur son identité, son âge, sa nationalité, il répond, il vous pose aussi des questions. Là, le canevas est déjà donné, l'élève n'a plus qu'à formuler réellement ces questions et à trouver, on va dire, le vocabulaire, etc., à utiliser. Mais d'accord, le canevas est déjà donné, la structure du jeu de rôle est déjà mise en place. L'autre activité qu'on peut faire, ce sont des dictées dessinées. Et je vais vous en présenter une juste après, donc je ne vais pas trop m'attarder maintenant là-dessus. Et enfin, des activités de phonétique comme les virlandes et de discrimination auditive ou de diction. Alors, pour en revenir à la fameuse dictée dessinée, comme on dit des fois, une image vaut des milliers de mots, et bien voilà, je vous ai mis un exemple d'hashtag la classe. Vous avez une chambre, d'accord, une chambre classique d'adolescent, et vous avez des meubles, d'accord, vous avez des meubles, vous avez la disposition de la chambre d'une manière, avec une guitare sur le lit, etc., etc. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va indiquer aux apprenants que nous allons faire une dictée qui n'est pas traditionnelle, c'est-à-dire les apprenants ne vont pas écrire les phrases que vous allez dicter, non, ils vont dessiner les objets que vous allez dire. Par exemple, je vais dire plus ou moins au milieu de ma pièce, il y a un lit. Eh bien, l'apprenant dessine un lit. Sur le lit, il y a une guitare. Alors, peut-être que l'apprenant va dire une guitare, ou sur, à côté, sur le lit, à droite, etc., etc. Donc, on peut répéter, d'accord ? Eh bien, voilà, sur le lit, il y a une guitare. L'apprenant dessine une guitare. À droite du lit, il y a une chaise, etc., etc. On va réutiliser le vocabulaire et on ne va pas pénaliser, finalement, les apprenants parce qu'ils ne savent pas écrire ou parce qu'ils ont des difficultés à écrire telle ou telle chose. Non, on va favoriser justement la compréhension de l'apprenant. D'accord ? Là, concrètement, c'est moi qui fais la dictée. Mais vous pouvez demander aux apprenants de faire la dictée de manière, on va dire, autonome. C'est-à-dire, ben voilà, je mets par le chat privé sur ma plateforme de visioconférence la phrase que Paul doit dire. Et Paul va faire la même chose. Après, moi, je vais envoyer à Emma, eh bien, l'autre phrase, etc., etc. D'accord ? Donc, ça permet de travailler la compréhension orale, ça permet de travailler la grammaire, par exemple, les prépositions de lieu, dans ce cas-là, sur, sous, à droite, à gauche, etc., et le vocabulaire d'une manière un peu plus ludique, qui est simplement écrire traditionnellement des phrases.
D'accord? Donc ça permet non seulement de dynamiser vos cours, mais aussi de travailler la production orale, la compréhension orale, la grammaire et le vocabulaire. Donc finalement, c'est une activité qui est très complète et qui ne demande aucun matériel. Juste pour, vous allez me dire, oui, mais en ligne, comment on fait pour dessiner? Eh bien, vous dessinez sur, vous demandez à vos élèves de dessiner sur une feuille de papier, et si vous utilisez un espace de partage, par exemple comme Padlet, Classroom, etc., vous pouvez demander à vos élèves de prendre une photo et le mettre sur l'espace de partage, et ensuite faire une correction commune en disant, bah voilà, là il y a un problème, c'était sur et c'est pas sous, ou de voter pour le dessin qui est le mieux réalisé, essayer de trouver quelque chose d'amusant. D'accord, pour motiver nos élèves. L'autre chose que l'on On peut peut... le faire aussi rapidement, hein, sans Oui. forcément avoir l'espace de partage. Vous travaillez que la caméra, on met le dessin devant la caméra, et puis on a déjà une bonne idée de la situation. Effectivement, ouais, c'est parfait aussi de montrer simplement, ben voilà, maintenant on est arrivé à la fin, tout le monde montre son dessin et on voit, on peut même demander à un élève de dire, ben, de commenter le dessin qu'il a fait pour réutiliser. Voilà, le lit au centre, etc., etc. D'accord? On peut décliner Alors, dans plusieurs manières. Vas-y, Annick. l'avantage de l'espace de partage dont tu parlais, ça va être justement que lorsqu'on l'a mis sur l'espace de partage, on peut le réexploiter par la suite. C'est cet avantage-là, contrairement à juste une image qu'on projette et qui après, d'une certaine façon, n'est pas réexploitable. Donc, c'est pour ça que c'est vrai qu'il vaut mieux pouvoir passer par un espace de partage, mais c'est pas toujours faisable avec vos apprenants. Donc il y a toujours des adaptations possibles. On passe à la phonétique. Effectivement, alors, activité Super, de phonétique, dans Hashtag la classe, on a réservé une page entière par unité pour la pratique de la phonétique, aussi bien dans le livre de l'élève que le cahier d'activité. Donc là, vous voyez, alors vous voyez peut-être pas très bien parce que mes images sont petites, mais vous avez une quantité, on va dire, importante d'exercices de phonétique. Alors, juste une petite précision, on a essayé de varier activités de phonétique. C'est-à-dire, vous avez des activités articulatoires, vous avez des activités de discrimination, etc. Ça, je vous montrerai plus dans le détail par la suite. Et n'oubliez pas que dans le bibliomanuel du cahier d'activité, les activités sont en autocorrection, dont les activités de phonétique. Donc, ils ont accès directement on va dire aux pistes audio, ils n'ont qu'à cliquer, compléter si c'est coché, cocher, cocher la bonne réponse, souligner, encadrer, etc. Tout est fait pour que l'élève travaille en autonomie. Et surtout, c'est très important d'avoir un retour. Vous n'êtes pas obligé de passer des heures et des heures à lire, je sais pas, 50 exercices de phonétique à corriger. Non, ils peuvent le faire en autonomie. Donc ça, c'est un atout important du bibliomanuel. Alors voilà, ce que je vous disais à propos des et vous avez activités de... accès au bibliomanuel actuellement. Effectivement, ça c'est important, vous avez accès au bibliomanuel, Clé Internationale a mis en libre accès les bibliomanuels et je vous recommande de les consulter, de voir, de tester même, si vous ne l'avez pas, si vous n'utilisez pas encore la méthode, les bibliomanuels parce qu'ils sont vraiment, entre autres du cahier d'activité, c'est vraiment très bien, c'est très bien fait par rapport à justement... cette correction que les élèves peuvent avoir instantanément. Et ça peut être pas mal, nous qui travaillons encore de manière virtuelle, et bien voilà, pour demander des activités complémentaires ou des activités que les élèves peuvent faire en autonomie et justement ne pas perdre 10 minutes pendant la séance de visioconférence à corriger les activités, puisqu'elles sont déjà corrigées. Autre chose que l'on peut utiliser, enfin, je vous parlais des activités de phonétique. Il y a des activités variées. On a essayé de faire des activités variées le plus, on va dire, enfin, le plus grand nombre d'activités de toutes les manières possibles. Donc, nous avons des exercices articulatoires pour comprendre comment on prononce tel ou tel son. On a des exercices de lecture pour associer la graphie et la phonie. D'accord? Donc, parfois, on demande, on dit voilà, dans ce texte, dans cette phrase, on entend le son ou, mais on ne sait pas forcément. Ou par exemple, le son o qui s'écrit de mille et une façons. Et bien voilà, là, on peut associer l'écrit, la phonie et la graphie. Et des exercices d'interprétation ou de diction, dont des virelangues, sans oublier les exercices traditionnels de discrimination phonétique avec est-ce que vous entendez telle chose ou
Est-ce que vous entendez U ou est-ce que vous entendez une fois U ou deux fois ou trois fois, etc., etc. Donc, on a essayé de vous proposer un maximum d'activités pour justement que vous puissiez travailler la phonétique de différentes manières et que ça ne soit pas simplement écouter et de dire, bah, voilà, est-ce que j'entends O ou est-ce que j'entends O ou est-ce que j'entends E, d'accord? Non, quelque chose d'un peu plus ludique. Donc ça, c'était pour la phonétique. Mais il y a d'autres choses que l'on peut faire pour que nos apprenants de A1 ou de A2 même, si vous voulez, puissent parler. Eh bien, c'est de les capsules vidéo. Alors, comment on fait les capsules vidéo? Eh bien, c'est très simple. On peut les faire hors de la classe. Ça peut permettre aussi de réaliser certaines tâches finales. Ça peut vous permettre aussi d'évaluer vos élèves à l'oral. Et on peut décliner ou adapter certaines activités de hashtag la classe pour justement créer des capsules vidéo. Alors, par exemple, là, il y a une petite erreur dans mon PowerPoint. J'ai marqué hashtag la classe A1 et hashtag la classe A2, mais peu importe. En A1 aussi, vous pouvez faire ce type de vidéo. Eh bien, vous avez, par exemple, ici, c'est une pratique qui se fait dans un lycée qui s'appelle « Je filme le métier qui me plaît ». Donc, on demande aux lycéens, en fait, de filmer le métier qui des gens, par exemple, de trouver des témoignages, d'interviewer les gens, etc., des métiers qui leur plaît. Par exemple, je ne sais pas, suivre quelqu'un dans son travail, etc. Eh bien, on peut demander de faire la même chose à nos apprenants, avec nos apprenants. Mais attention, là, nous sommes confinés, donc c'est un peu plus compliqué de pouvoir filmer toujours le métier qui nous plaît réellement, puisque il y a peut-être pas, on n'a peut-être pas accès à l'extérieur comme on voudrait, etc. Comment on peut faire? Eh bien, simplement, on peut demander aux apprenants de s'enregistrer, de faire une capsule vidéo et de rajouter avec avec des programmes en ligne comme Capwing par exemple, eh bien de rajouter des sous-titres, rajouter des images, rajouter je ne sais pas des formes, etc. pour illustrer ces vidéos. Par exemple en 1, moi ce que j'aime bien faire c'est dans les premières séances, eh bien c'est se présenter, d'accord? On a vu les présentations, bonjour, je m'appelle, je suis, j'ai, etc. Eh bien voilà, je demande fréquemment à mes élèves de s'enregistrer et de dire, bah voilà, bonjour, je m'appelle Cédric, j'ai 35 ans, etc., etc., et de faire la même chose, d'accord? Donc, ce sont des courtes capsules vidéo, ça ne dure pas des heures et des heures, il n'y a pas besoin d'un matériel spécifique, on n'est pas, nous ne travaillons pas dans un montage vidéo, d'accord? Il y a des produits en ligne qui sont gratuits et qui sont tout à fait, comme un vrai studio d'enregistrement, comme Capwing, par exemple, et ça prend quelques minutes, il n'y en a pas pour une centaine d'heures, d'accord? Et c'est très pratique, surtout si vos apprenants n'ont pas accès à la visioconférence, par exemple, ou à certains moments, par exemple, ils n'ont peut-être pas l'occasion de se connecter au moment de la classe ou devront arriver en retard pour X raisons, eh bien voilà, ils peuvent s'exprimer. Ça permet aussi aux apprenants les plus timides eh ben, de prendre la parole, d'accord? Ne pas être confrontés à 15 petits écrans qui apparaissent sur la visioconférence en mode mosaïque avec une quantité d'apprenants, etc. Non, eh bien là, ils sont tranquilles devant leur ordinateur, ils peuvent faire des capsules vidéo. On parle de capsules vidéo, mais vous pouvez aussi... Oui, dis-moi, Annick. Ben justement, je disais que c'est peut-être pas la peine d'aller jusqu'aux capsules vidéo si ça fait peur aux apprenants. Ça peut être déjà un enregistrement sur leur téléphone portable qu'ils vont ensuite transmettre. Hein. On peut avancer petit à petit dans les outils en ligne. Ah oui, effectivement. Là, moi, je vous donne la capsule. Je vous parle de la capsule vidéo pour donner un aspect un peu plus ludique, un peu plus, on va dire, des activités qui changent, etc., de motiver les élèves. Mais bien évidemment, n'oublions pas que la situation dans laquelle nous sommes est un peu, parfois, peut être contraignante pour nous, mais aussi pour nos élèves. Et peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire une vidéo. Peut-être qu'ils n'ont pas envie ou ils n'ont peut-être pas les moyens nécessaires pour enregistrer la vidéo. Donc, forcément, vous pouvez simplement une note d'audio, c'est amplement suffisant. Hein. Il n'y a pas besoin de monter un film ou un reportage. Si vous voulez faire une présentation de la classe, par exemple, eh bien, vous pouvez après compiler toutes les vidéos ou les vidéos que vous avez pour les mettre bout à bout et faire un mini-film, on va dire, de la classe ou des choses comme ça. Mais libre à vous, après, de voir comment vous voulez exploiter ces activités et le matériel dont, et vos compétences aussi en informatique, parce que nous n'avons peut-être pas tous les mêmes compétences pour enregistrer, pour faire des montages, etc.
D'accord? Donc à vous d'adapter les outils que je vous donne, bien évidemment, à la réalité que vous avez, vous, sur le terrain. D'autres activités qui sont plus simples pour toujours pratiquer l'oral, et ben voilà, des virelangues, d'accord, avec justement la fameuse accélération, d'accord, on commence doucement, 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 et puis plus on va vite, plus ça devient difficile, etc., d'accord, donc ça c'est une activité qui est assez amusante. On peut faire des rébus, les suites des dessins qui, mis bout à bout, ont une signification différente. D'accord? Ou des exercices d'interprétation à l'aide de la transcription des dialogues, par exemple, de compréhension orale. On peut demander, tout à l'heure, je vous parlais de oraliser les livres, oraliser, pardon, les textes que vous avez. On peut réoraliser les situations qu'on a dans les livres. Donc, vous pouvez bien évidemment demander à un apprenant, bah voilà, il me faut trois personnes, on lit le dialogue, on travaille l'intonation, on travaille la prononciation, et c'est assez amusant, bien évidemment, de travailler de cette manière qui casse un peu la routine du jeu de rôle, tout simplement. Ok. Les livres dont je me suis inspiré, bien évidemment, sont hashtag la classe. Donc là, je vous ai mis le livre principalement du A1 et du A2 avec les cahiers d'activité. Comme a dit Alnick, je pense que les bibliomanuels sont en libre accès pour le moment, donc n'hésitez pas à consulter les ouvrages, à s'approprier, j'ai envie de dire, les ouvrages de hashtag la classe, les consulter, voir le cahier d'activité, voir on va dire, le contenu du cahier du livre de l'élève, mais aussi du cahier d'activité, et pensez aussi que dans le cahier dans le guide pédagogique, pardon, le livre pour le professeur, nous avons mis un fichier complet d'évaluation. Donc, vous avez des compréhensions orales, des compréhensions écrites, des tests sur le lexique, la grammaire et surtout sur deux forces. La force 1, c'est-à-dire avec une étoile qui est assez simple ou qui est adaptée à des élèves qui ont un niveau peut-être un peu plus inférieur au reste, et un niveau 2 qui est un peu plus compliqué pour les élèves qui progressent plus vite, etc. Et c'est aussi valable pour les groupes qui sont hétérogènes auxquels vous êtes souvent confrontés. Donc voilà, moi j'ai terminé ma présentation. Dis-moi, Annick. Merci beaucoup, Cédric. Je pense que c'était très très clair, et vu les commentaires qu'il y a, voilà, je pense que tu as donné plein d'idées aux enseignants présents aujourd'hui. Avant de passer justement aux questions, parce que vous avez peut-être des questions directement à poser à Cédric, à faire des propres remarques aussi sur votre utilisation de la méthode, puisque quelques enseignants ont déjà travaillé avec hashtag la classe. Je précise que juste après, normalement, il doit y avoir Monica qui vous présentera les adaptations polonaises de hashtag la classe avec toutes les ressources qui sont à votre disposition aussi. Donc, je préfère pas trop m'avancer sur les outils à votre disposition, parce que je sais que vous avez en plus l'édition polonaise avec notamment, par exemple, du lexique en polonais, etc. Vous avez vu dans la méthode les consignes en polonais également. Mais c'est vrai que dans la version internationale, actuellement, vous avez accès donc à la méthode et au cahier d'activité en lien direct, comme je vous ai mis sur le site de adistance.manuelnumérique.com. Et puis, dans sa version papier, vous avez le livre, le cahier, le guide pédagogique avec, comme tu disais, énormément de ressources d'évaluation complémentaires. Il y a également l'espace digital sur la page de clé. Et puis, il y a actuellement trois niveaux. Il y a un niveau A1, un niveau A2 et un niveau B1 qui existent. Alors, si vous avez des questions. Effectivement, profitez de... Si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, ou simplement si vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas. Merci, super. Il y a eu des petites remarques, je vais les signaler pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au départ. Donc il y a eu un message de Iwona et de Claire qui travaillent toutes les deux avec la méthode. Donc j'ai commencé à travailler avec la méthode en trois groupes. J'aime bien, il y a beaucoup à écouter et le contenu change vite. Effectivement, je pense que tu peux rajouter un petit commentaire là-dessus sur la taille des documents choisis aussi. Effectivement, oui, on a essayé de varier au maximum les documents, d'accord. On a essayé de varier les contextes et surtout on a essayé
de nous mettre à votre place. Enfin, nous sommes enseignants, donc on sait ce que c'est d'avoir une heure de cours ou simplement parfois 2 heures, mais deux fois une heure dans la semaine. Donc on a fait en sorte que les activités soient courtes, d'accord, où il y ait des exploitations à faire en annexe, mais que ce soit des activités courtes et variées. D'accord. Par exemple, on a utilisé des vidéos. On a utilisé 2 vidéos normalement par unité sur lesquelles on va proposer plusieurs activités. On a utilisé des documents sonores, des documents authentiques, des documents semi-authentiques, des publicités, des dialogues, des reportages, etc., etc., justement pour dynamiser et que les activités puissent justement changer rapidement d'une autre, enfin d'une à l'autre et que il y ait une certaine dynamique, que ça soit pas que vous passiez pas une heure sur une même activité et que non, que pendant une heure de cours, eh bien, vous puissiez faire une production orale, une compréhension écrite, etc., etc. Et justement, l'autre remarque que je veux dire peut-être un peu plus petit, ça fait trop de matériel, les élèves peuvent aussi, trop de matériel, juste le but aussi de fournir du matériel et de temps de synthèse. C'est une remarque négative qui est très, très positive pour la méthode, pour présenter que c'est une méthode très, très riche avec beaucoup de ressources. Ce que Claire traduit par c'est foisonnant. Effectivement, beaucoup d'activités, de communication, d'interaction, de tout repris dans le projet et des différentes étapes. C'est vrai que tu nous as pas parlé du projet. Non. Parce qu'on était quand même sur la compréhension orale. Mais ça peut être l'occasion de faire peut-être une parenthèse, justement, ou de développer ce projet, puisque il permet aussi de développer la production orale avec les apprenants. Effectivement, oui. Alors, le projet, c'est vrai que je n'en avais pas parlé. J'aurais peut-être pu l'introduire, mais il y a tellement de choses à dire sur le projet, on va dire qu'il me faudrait encore une autre heure de webinaire. Donc, pour faire simple, nous avons un projet, c'est-à-dire dans hashtag la classe A1, A2 et B1, nous avons 3 projets, 3 macro-projets différents. Le projet, il est divisé non seulement, on va dire, par unité, mais aussi par leçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous avons, par exemple, dans la leçon 1, une première étape du projet. Dans la leçon 2, une deuxième étape du projet, etc., etc. Par exemple, dans le A2, on veut réaliser un magazine en ligne. Donc, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, par rapport à ce que nous sommes en train d'étudier, je vais vous dire une bêtise, enfin, je vais vous donner un exemple. C'est dans l'unité 4, on parle des loisirs des jeunes, etc. Et on veut faire un article avec des sondages, d'accord. Donc, dans l'unité, dans la leçon 1, eh bien, on va lister les activités loisirs des jeunes de la classe ou du groupe, d'accord. Dans la leçon 2, eh bien, nous allons commencer à rédiger les questions. Dans la leçon 3, on va créer les réponses. Dans la leçon 4, eh bien, on va faire les diagrammes, etc., etc. Donc, c'est très bien à utiliser. Parce que non seulement c'est progressif, ça va vous permettre de voir si les apprenants ont réussi, ont acquis les compétences nécessaires et les contenus nécessaires. Et aussi, bah, ça donne une activité annexe pendant laquelle les apprenants communiquent, pendant laquelle les apprenants peuvent même s'amuser, s'entraident, etc. Alors, le projet, effectivement, nous avons dans le A1, A2 et B1 des projets différents. Les projets sont adaptés, bien évidemment, au niveau. Moi, je vous conseille sincèrement de réaliser les projets parce que ce sont des projets qui sont très faciles à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'avoir des équipements informatiques ou je ne sais trop quoi pour les mettre en place. Ce sont des projets très simples, assez courts, c'est-à-dire vous n'allez pas passer 3 heures à réaliser une première étape du projet. Donc, n'hésitez pas à utiliser le projet pour non seulement systématiser les contenus, mais aussi ça peut vous permettre on va dire, évaluer vos apprenants. Et en plus, en confinement, ça va vous permettre de donner du sens à votre apprentissage, puisque dans le A2, c'est réaliser un magazine en ligne. Donc là, c'est le moment ou jamais de faire le magazine en ligne. Donc réaliser le projet, effectivement, pour motiver les apprenants, pour avoir des interactions et pour donner du sens à l'apprentissage. Et en plus, il est introduit très progressivement dans les méthodes, dans la méthode. Chaque leçon, c'est une des étapes du projet qui est bien guidée. J'allais dire, même si vous n'avez pas envie de le faire,
C'est tellement bien expliqué que vous êtes entraîné naturellement par la réalisation du projet. Il y a une autre question de Radek qu'on pourrait peut-être rassurer. C'est à propos du mot débat. Parce que la question, c'est, pensez-vous que le débat est une bonne idée pour les étudiants de niveau A1 ou A2? Parfois, ils ont du mal à s'exprimer de façon spontanée. Il faut peut-être imaginer un débat qu'on peut retrouver comme un débat politique à la télévision, mais voilà, une discussion dès le niveau A1 à A2, je pense que c'est tout à fait possible. C'est ça, là on n'attend pas dans un débat Si en vous A1 ou en rajoutez. A2. Ouais, c'est juste une petite précision en A1 et en A2, bien évidemment, nous n'attendons pas, j'ai envie de dire, une argumentation. D'accord? L'argumentation, elle arrive en B2, donc vraiment, on va pas attendre une argumentation, mais c'est bien d'avoir des idées, peut-être pour le futur, pour eux-mêmes, d'avoir des idées sur des thèmes. Par exemple, en A1, vous pouvez parler. Je vais reprendre un peu le thème des vêtements, etc. Mais voilà, les styles vestimentaires, est-ce que vous aimez tel style ou tel autre style? Pourquoi? Simplement, il n'y a pas besoin d'avoir, on va dire, un macro-débat qui dure toute l'heure. Non. Ou par exemple, sur l'alimentation. Est-ce que vous pensez qu'on mange bien, je ne sais pas moi, à la cantine? Est-ce que vous mangez bien chez vous sur, je ne sais pas moi, l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que c'est bien d'utiliser les réseaux sociaux tous les jours? Des choses qui vont très vite, d'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir des phrases très complexes. Par exemple, en 1, bah, utiliser la structure parce que, simplement. D'accord? Donc, Parfait. Oui, quand voilà. on dit débat, débat, c'est expression de son opinion. Et au Effectivement. niveau A1, on peut dire je mange une pomme parce que j'ai faim. Je mange Effectivement. une pomme, j'ai faim. C'est deux expressions que des élèves de 1 sont capables de formuler. Et à partir du moment où on rajoute le parce que, ben, on défend une opinion. Exactement. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir, j'insiste, en un, soyez réaliste. Et puis, de toute façon, les élèves n'auront pas les outils nécessaires et ça va créer des frustrations si vous leur dites, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il faut promouvoir l'agriculture biologique, par exemple, d'accord? Un thème de B2, par exemple, ou même de C1. Les élèves en un vont vous regarder avec des yeux comme ça et vont se dire, mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire et comment je fais pour répondre à ça? D'accord? Non, simplement quelque chose de très simple, une discussion qui peut justement dire oui ou non, d'accord? Quelqu'un qui peut défendre une idée ou une autre, et bien voilà, dire comme a dit Annick, hein, simplement avec j'aime telle chose parce que, d'accord? Imaginez les styles vestimentaires. Est-ce qu'il faut s'habiller à la mode ou est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, un style personnel? D'accord? Et bien moi j'ai un style personnel parce que j'aime le rouge, j'aime les vêtements larges, etc., etc. D'accord? Donc ne pensez pas à débat. L'autre question, c'était par. L'autre question, mais effectivement, il n'y a pas de réponse, mais qu'on l'annonce. Effectivement, pour le niveau B2, pour l'instant, il n'y a que les trois premiers niveaux de hashtag la classe. À voir si effectivement tous les Polonais décident de travailler jusqu'au niveau B2. On pourra revenir là-dessus à ce moment-là. Pour l'instant, pour le B2, moi, ce que je vous recommande, c'est soit ceux qui connaissent déjà Eco B2 ou alors Tendance B2. Et si vous voulez découvrir Tendance B2, c'est en accès disponible. Il y avait une autre question, mais pas spécialement pour toi, Cédric. C'est pour les classes de 7e et 8e. La semaine prochaine, je fais une intervention donc pour présenter Amis et compagnie, notamment l'introduction des éléments interculturels qui sont très très fréquents quand même dans hashtag la classe. Il faut dire aussi que ça, c'est encore un point, on n'a pas développé les projets, on n'a pas développé l'interculturel. Il y a tellement dans hashtag la classe qu'on pourrait aussi faire toute une session sur les aspects interculturels. Voilà, pour vous dire que oui, pour les autres niveaux, il y aura d'autres présentations, mais c'est vrai que pour peut-être les points, on a une minute, même pas, pour les points interculturels, tu as une petite remarque à faire, hein?
Effectivement, ouais, les points culturels, on a essayé dans Hashtag la classe de sortir de la France, on va dire, et d'aller de s'exposer à autre chose que la gastronomie française, qu'est-ce qui se passe en France, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de documents sur la francophonie. Par exemple, vous avez sur les recettes, je pense aux recettes de cuisine. Par exemple, vous avez comment faire des pancakes au Canada, par exemple. Vous avez au niveau 1, toute la gastronomie, on va dire, avec la loco du Sénégal, etc., etc. On a essayé de donner un aspect un peu plus culturel de la francophonie et ne pas se limiter à la France, ou même, par exemple, des choses qui sont un peu moins connues des apprenants et peut-être même des professeurs, hein, puisque nous ne sommes pas des encyclopédies, mais voilà, des médias qui sont faits par les jeunes. D'accord, des inventions qui ont été créées par des jeunes francophones, des concours, des modes qui se passent dans l'espace francophone, etc., etc. On a d'autres choses aussi sur Madagascar, etc. Donc sur les dom-toms, par exemple, tous ces aspects culturels, on a essayé de varier au maximum les aspects culturels pour justement donner, ne pas se centrer, on va dire, uniquement sur la France, mais sur tout l'espace francophone. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense que c'était déjà très complet. Donc, pour revenir aux outils, pour continuer avec Monica pour les adaptations polonaises, mais cette vidéo également sera accessible dans quelques temps sur le site donc de Clé Formation. Vous pourrez la revoir. On vous passera également le PDF, comme ça vous pouvez calmement revoir l'ensemble et puis les liens. Justement des outils qui ont été cités. Un grand merci Cédric Vial, donc l'auteur de la méthode hashtag la classe, non seulement auteur d'une méthode mais formateur de formateurs. Malheureusement, tu aurais dû être à Varsovie pour Ouais, le salon du livre. effectivement, ouais. Disons, on va se dire que l'année prochaine. Voilà, on va Voilà, se l'année donner prochaine, rendez-vous je l'année viendrai. prochaine à Varsovie, au Salon du Livre, pour effectivement rentrer plus en détail, voire faire des ateliers plus profonds sur la classe. Donc, encore une fois, un grand merci à Novella. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, puisque j'occupe de Clé International pour la Pologne. Vous avez mes coordonnées ici à atrr.clé@gmail.com. Sinon, un message sur le site aussi de Clé International. On recevra les messages. Donc, merci à tous pour votre présence. Puis, je vais repasser la main soit à Véronica, soit à Monica. Je ne sais pas qui de Novella est là. Non. Personne, on continue. Ah Je sais qu'il non, ça y est. y a Ça y est, voilà. Véronica qui arrive. Oui, tak, ja też od siebie dodam. Bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym tygodniu na kolejne webinarium z języka francuskiego. Będziemy rozmawiać o Amie Company.